Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, n'entend pas mettre un terme aux manifestations qu'il a déclenchées pour barrer la route à un troisième mandat d'Alpha Condé. Oumar Sylla alias Fonike Mangue, coordinateur par intérim du mouvement, promet une nouvelle marée humaine dans les rues de Conakry le jeudi 14 octobre prochain. La manifestation du FNDC prévue le 14 octobre sera plus grande que les autres. Cette fois-ci, la marche va dérouler du rond-point de l'aéroport au Palais du Peuple. Parce que l'esplanade du stade du 28 septembre ne peut pas contenir toute la foule que le FNDC draine, indique Fonike Mangue. À la question de savoir si le FNDC dispose d'un plan B en cas de refus des autorités compétentes d'autoriser la manifestation sur l'itinéraire allant de l'aéroport à l'esplanade du Palais du Peuple, il répond « Si on nous refuse l'itinéraire choisi, nous serons obligés de demander à nos partisans de manifester là où ils sont ». Il assure que l'arrêt des protestations est conditionné par une déclaration officielle du président de la République annonçant l'abandon du projet de changement de constitution et l'idée d'un troisième mandat. Tant qu'il ne renonce pas au projet de troisième mandat, nous allons manifester. Nous allons continuer à drainer des foules dans les rues de la Guinée, promet-il d'un ton ferme.